Et on a conseiller spécial qui est chef de l'État en matière de sécurité. Aurait touché 7 milliards de dollars qui proviendraient de Maboko, de M. Hassan. Hassan Ouazalara, patron à Zango, patron à marché central, les Libanais. Là. Tout ça, l'objectif est de Babo Mafati Beton pour na bango ba récupérer Batia Batou na bango. Donc ça fait très mal. Et aujourd'hui, nous apprenons, il semblerait que. Et dans la tête, il y a des politiciens. On a mis un peu de temps. Si arrivé que si j'ai d'un coup vous dirigez, vous pensez qu'il va diriger? Il ne sera pas parce qu'il est d'abord incapable de consommer la peine qui s'en a les 200 francs pour obtenir ce qu'il a. Incapable de consommer la gilette, il y a 100 francs d'orco pour encourager le mandat pour nous. Très heureuse de vous savoir nombreux dans le cadre de notre émission Salon de réflexion. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre sur Congo Live. Notre réflexion, le séjour s'articule autour de la vie politique en RDC. Voilà pourquoi nous recevons pour vous un acteur politique en la personne à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur nos antennes. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame Naomi. Bonjour à tous les téléspectateurs, tous les internautes qui nous aiment bien et qui, à des fois, trouvent l'importance dans ce que nous vous donnons, ce que nous vous transmettons aussi comme information. Et je dirais aussi à Sadat Banza un petit bonjour, Yves Le Kalombo, et à ceux-là qui m'aiment aussi, et pourquoi pas, à ceux qui ont l'habitude de commenter et de liker toutes mes émissions sur Congo Live TV. Merci, Président. Étant qu'un acteur politique de notre pays, comment définissez-vous le climat politique actuel? Madame, le climat politique actuel, je dirais que il est compliqué. Mm-hmm. Compliqué comment? Parce que ça fait presque 22 ans ou 23 ans que la République démocratique du Congo avait pris l'habitude des cycles électoraux, mm-hmm. c'est-à-dire après 5 ans, on organisait les élections. Mm-hmm. Et le président de la République était l'œuvre des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Mais malheureusement, avant-hier, ou soit hier, parce que c'était entre le dénuit, la nuit du samedi à dimanche, il s'est passé quelque chose dans ce pays, dans notre pays plutôt, où on aurait assisté à un coup d'État contre l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi je vous ai dit que le climat actuellement dans notre pays est un peu compliqué. Merci, monsieur. Dites-moi un peu, Nery Bazoulobake, le monsieur François Béya, qui est à l'auteur, il y a Bamakambu, il y a un coup d'État ou il y a un président. Que pensez-vous de ça? Oui, d'abord jusque là, Ezali na nous rimeurté, Ezali rimeurté pourquoi? Parce que François Béya a été interpellé par l'Agence nationale des renseignements au Tobengaka Anne, le long de Tolubabu Ezam Kolona Yami Bale Oyakola na Boloko. Donc le fantomas a été démasqué parce que Azalaki na Kumoko Bandai ko préparé, Babandai ko préparé au Bandakala. Mais nzambe lokola zali nzambe atikela ba tout temps na bango basala ba buzoba na bango. Vous savez que Mikolo utikoleka awa fantoma sa sala ki voyage moko boyakei Gabon Maroc ayeko zonga sans que a signifié officiellement na chef de l'État. Donc ça ki voyage moko un peu clandestin, mais ba service et repéra ki et lelo on ndenge to zali koloba azali na kati ya boloko azali na kati ya garde vue ya agence national des renseignements au Tobengaka ANR Nabiso, il serait, je dirais, impliqué dans le complot ya coup d'État avec certains généraux. L'objectif était d'éliminer la présence physique de Félix Antoine Tshisekedi, ou soit babeta coup d'État pour qu'on ait un salaki na libanda, azonga li sous-souté na kati ya Congo,
ndenge salamaki na bamboka mususu. Bandela makambo lobi si vous. Na lobi boye, monsieur Fantomas. Okay. Vous comprenez, monsieur Fantomas serait impliqué na complot ya munene na salamaki po na ko beta chef de l'état coup d'état. Coup d'état n'ezalaki na dévoler soit ko éliminer physiquement ou soit ndenga bimaki akendaki na Addis Abeba. Pour nous, la remise et reprise dans l'actuel président de l'Union africaine, Ezali Macky Sall. Donc, Bakanga, RTNC, Bakanga, Aéroport, Bakanga, Palais du Peuple, Bakanga, Coin Stratégique, nous avons lancé un message que nous, chef de l'État, à cause de l'Awate, le pays est comment en débandade. Mais, le col en Zambé, dans Zambé, à Saliko, secret dans le Bango, Bandai, Kobombaana, et Bimanapoisa, de Saliko, le monsieur. Je dirais François Béa Oazaliki Oazaliti Sikoyo conseiller spécial ya chef de l'État en matière de sécurité Azalanakati ya Boloko. Voyez un peu kindoko eza na kati ya mboka na biso. François Béa Félix Tshisekedi azuye alobi non aza congolais lokolanga il faut na travailler na expertise ya ba congolais. Oyebi mboka nyoso koyi ko se développer kaka soyi bozana bato ba na expérience. Mais malheureusement chez nous ici, bato bazan na expérience, balingarasue bazalaki na expérience ya mabe, bako baka na expérience wana ya mabe, ata soki mutu ya malamu aye. Biloko ba mesana ko sala na ba régime passé, balingi basala yango sous na actuel régime. Et lelo oyo, selon les informations en notre possession, François Béa aurait touché 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. Qui François Béa? Nabi François Béa, Azali, conseiller spécial, ya chef de l'État en matière de sécurité. Aurait touché 7 milliards de dollars qui proviendraient na maboko ya Messie Hassan. Hassan Oazalara, patron ya Zando, patron ya marché central, les Libanais là. Okay. Tout ça, l'objectif est Azali, Babo Mafati Beton, pour na bango ba récupérer, ba tcha batou na bango. Donc ça fait très mal. Et aujourd'hui, nous apprenons, il semblerait que, et ça n'a pas tête moussous, il y a pas politicien, on a minute, on a auditionné, bango, kuna, nakati, il y a agence nationale de renseignement, nakati, il y a ANR. Donc, ils allaient comme ça, la passe, il est là, oh, comme on a, bah, congolais moussous, bah, l'ingé qui met ça, nakati, il y a un beau côté. Pour un abonné, on a qu'un autre dossier, on est grave, et ça, bah, aventure, t'es. Le, directeur général, il y a renseignement à Bissot, à Sengi, la société, il y a télécommunication Orange. Bapé ça, ba conversation, et voilà, en parole, dans ba conversation vocale, ba conversation écrite, c'est-à-dire par message, oyo numéro, moko ya Orange, et bandagi ko sala, depuis mai, il y a 2021, si tokoma, avant, c'est-à-dire le 5 janvier, le 5 février, il y a 2022. Et, bah, il y a biso, bah, période, il y a une interruption, parce que si on est là, il sera bengi, à bombi. À bengi, à bombi. Attends, après un mois de mois, à bengi, à saléli, à ngoli, sous. Donc, voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Tolingay, tola, moukara, na tongo, botebi, ke, toliga, ke, non, coup de TV, tamina, katsambo, cannabis. Vous savez que jusque-là, le peuple congolais, n'a pas encore compris le sens de vivre ensemble, je vous dis. Quand on a le sens de vivre ensemble, c'est-à-dire que nous avons des émotions. À supposer que les autres, là, là, tout le monde dit que non, Félix Tshisekedi coup d'État, soit à Koufi, soit à Zongisus Nakati, à Mbokote. Des autres, les gens qui ont des émotions, ils ont des émotions, ils ont des émotions, ils ont des parce que quand tu as rendu les gens qui ont des vous voyez que le régime de Félix Tshisekedi est là. Et ça, il va compte à rendre na batouté. Au contraire, et fandi na ba congolais nyonso. Mais il y a certains congolais, je m'excuse. Il y a certains congolais o bazala na haine envers le président Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être na batou mususu o bazali au travailler na ye, tobe batou mususu o ya parti na ye. Vous imaginez à quel niveau makila elinga kotanga na mboka o. Donc batu ya lolenge wana bazali batu ya kolimbisa te. Bazali batu moko bokangi bango. Bon tout na biso peuple biso ndeto pe sabino to sabino e kozala sort na bango bata lolengo na il faut ko pendre bango po na mbala ya sima makamba lolengo na esala makate na République démocratique du Congo. Merci président. Mais si que
année. Pour la dignité que ça la enquête, mais ils allent en privé. Est-ce que c'est toujours important y a combien de stango, bâtir sur base bah évolution y a enquête en rond de nezole kaba. Si ils combattent dans les réseaux sociaux et tout ça et tout ça. Pourquoi? Non, madame. Oyebi, ils ont la banquette mususu, ils ont la banquette moko publico topé populaire. Dans quel sens? Bah là n'importe ça. Kanga ba ADF. Je donne un exemple, Nanjil. Bah lancer message sur Abimou Tunion sur quoi comme on a ADF appelé Sabisoye. Na banquette, il y a certaines personnes ou certains éléments oyo e facilita ka poursuite pe déroulement malamu ya ba enquête na bato bazali ko mener ba enquête yango mais mutu ko ki ma ton déjà bino ko na yebi pourquoi na zolo ba bongo et lelo oyo soko moni ba bimisi numéro wana en public cela ne veut pas dire que non ba exposer mutu wana to ba pese possibilité ko ki ma te au contraire ndenge za numéro moko ya téléphone e benga ka bato. Peut-être que numéro ne cause la bandai peut robenga batu mususu nandenga ki di batu na bandai koye bate. Alors tant que va poster numéro ana na WhatsApp na Facebook to pe en public mutu nyoso sa yeba ki no numéro ana benga ye et que bazana posa ba ba réalité numéro ana mais akoy ko dénoncer facilement au moins que ko faciliter pe ba enquêteur ba sala enquête na bango ba zwa ba résultat moko escompte ba enquêteur ba sala mosala na bango ko kipe ko faciliter ba tumususu ba kima non ko faciliter ba tumususu ba kima je pense que nangongo tozali koloba ba trace ebele déjà ezali ya koyebana ba kosa yote ba trace ebele déjà ezali ya koyebana et ne pensez pas que mutu nyo sera rendez mutu zwa avion abimi kinchasa akiyete soyi kikaya bini karubi akimaka. C'est parce que Zalaka na ba François Beya ba Zalaka wana ils avaient facilité beaucoup de choses, vous comprenez? Soyez ba Kaleve ba Kimaka, c'est parce qu'il y avait des François Beya ba facilité ka beaucoup de choses. Mais aujourd'hui avec l'actuel administrateur Otozana ye na deuxième Otozana yango lelo, c'est très difficile pour na mutoyo azali rechercher abima akima loba ke non ami tumbola ni bulu moko abomba naka. Toi fana na bunker toi mi bomaye moko mais soyez capable na ko bima awa na ba frontière na biso je vous dis que ce n'est pas facile, c'est extrêmement difficile. OK, les Américains ont renforcé la sécurité de chef de l'État, que pensez-vous de ça? C'est vraiment une très bonne chose parce que Félix Antoine Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo qui est envié par tout le monde. Okay. Aujourd'hui oyebi ka sala ki succès moko a maka sitan a ki na ba COP 20 ba COP 26 avec Mutumoko Balingé Mingi et aussi les États-Unis bazwa RDC loko la partenaire naye valable et privilégié actuellement na carte ya Afrique et singela ki na bango ba protéger toujours Félix Antoine Tshisekedi et vous serez d'accord avec moi ezali FBA ne ayepe lisusu ko dénoncer coup d'état o elingai ko salama na ba enquête o ye amemaki na lobby FBA bango pe ba ki ko dénoncer topé ko informer je dirais agence de renseignement na biso topé service de renseignement na biso d'une manière générale na coup d'état o elingaki ko sala masadi bazo landela situation sécuritaire ya République démocratique du Congo de près et à la loupe. Voilà, donc pour nanga so ki ba renforcer sécurité à Félix Antoine Tshisekedi, c'est vraiment une très bonne chose parce que ba yebi ke batu amité mama be bazala ki baninga ba sala sabotage ba sala coup d'état ya auto yebi sana président Félix Antoine Tshisekedi. To komi na ngonga oyo mutu ya mabe ifo tie mupanzi. Okay. Antuka mutu aza mabe tie mupanzi. Okay. O aza malamu tikala naye. Okay. To lobi ba tendance te. To bika swa mutu aza mabe tie mupanzi. Merci messieurs. Par rapport ya marche oyo o annonce ki te ki balobi ke bo anilango. D'abord c'était quoi le but de la marche et pourquoi vous avez annulé? Non. Oui, ça valait la peine, en toute conscience, je dirais, en toute quinoiserie. Hein? Parce que nous sommes des Quinois, tu n'as pas accepté car raté que Nalikambo est comme la biso dimanche. Parce que biso tu m'as dit, préparatif, il y a marche deux semaines avant. Le samedi, tu as dit que tu as dit que tu gouvernera, on a dit que le mardi, tu as dit marche. Mais, il y a samedi, il y a dimanche, coup d'état manqué. Coup d'état raté.
Alors, le cas basali ko traquer na nous batouana. Tu es bien ma cantine à Bangou te. Peut-être que tu as na batou mousso Bangou basi ba mikoti sa ki na CC. Au Bangou ko luka peut-être basa la sabotage. Alors, biso to lobby. Le cas la marche na biso ezalaki rien que pour la ville province de Kinshasa. Mais les coups d'État ne voyaient pas seulement Kinshasa, les coups d'État voyaient la République démocratique du Congo. Parce que quand le chef de l'État n'est plus, c'est toute la République qui perd. Vous comprenez? Okay. Alors, au lieu peut-être de privilégier l'émotion au Bissot, parce que j'aimerais vous dire, et le pour ça qui Bissot d'abord, tout ça, la marche, c'est lorsque tout le temps à Kinshasa, tout le monde a foulé les arts aussi la tête, tout le temps à Kinshasa, tout le monde a marché central. Oh, gentil, Ngobila, la kaki biso depuis 2020, qui est au Tongama, et au Tongama, te, batou a batte kakuna baso, kemba, tant que tu es comme on est sous batou na matadikiba la ba koufi, oh, na mois de février à 2020, gentil, Ngobila, le baki, fallait qu'il batte on a marché à matadikiba la, batou ba kota marché, il fallait ici là dans 8 mois. Donc, c'est que, na depuis à 2020, batou fallait de abas à la marché. Le quoi la marché est ton amité, batou anaba komi kote kanababa la bala, ne ba yego kouta na li kamona. Ceux qui battent ba côté en marché, battent en bengal beaucoup faté. Alors on a émotion, on a na kanda, on a des poussa qui biso tout le bateau. Ça la marche. Autre qu'un décochité, le ministère de l'intérieur, pour la couvrir c'est un ministre à terre. La biso le cambier gentiling obila. S'il faut trop le suspendre, qu'on suspendre rien n'engage ça qui n'a pas gouverneur Moussoussou. Mais le collateur au comme la situation, tout comme une angoisse coup d'état. Maman, c'est logique. Kinshasa est allé moko ba province parmi le 25. Congo, en général, nous avons 26 provinces. Okay. Alors, tu aurais colingaté que, à cause de la province Moko, tu as préjudicié le reste des provinces. Il y a un autre, tu marches, tu as dit que tu as dit que marche, tu non. Marche pour la mardi, tu as annulé. Mais tu as dit que tu as tu as dit que Gentiling Obila, il faut à dégager. Pourquoi? Parce que Zandedo Salamate, pourquoi? Parce que Matadikibale Salamate, pourquoi? Parce que Bafou les gens en disent là. À supposer que pendant que Bissoto, la situation est améliorée, Gentiling Obila souhaitait premier avoir dit qu'on tourne un marché central. Vous voyez, peut-être quelque part, à regagner Bissot. Or, Bissot marche, tu as dit qu'on sait, marche, il y a la haine contre l'individualité. Ils allaient marcher, à comment on est le quoi la première citoyenne de la ville province de Kinshasa. À tenir na ba promesse oh ya sala ki comme il y avait eu de l'argent débloqué pour na mention na etongama il faut tout mon clair na bambongo wana donc yonga na liko ebisa que tu ko projeter marche wana à une date ultérieure le lobby te que non marche wana aux atété marche et kozala mais aujourd'hui nous sommes le lundi demain il n'y a pas marche tu ramener ngo à une date ultérieure tu fais si ba merci belé na bande ko na biso o ba accompagner ki biso et la bande de poto le col appelé ba juif le noir ou des chapeaux tu peux simboter na bande ko ya Kinshasa ba zali na kata comité na biso tozan na batu le col la yokason tozan na becholé tozan na président glody tozan na blaise tozan na leon kalombo tozan na sadat tozan na mustapha mwanza tozan na ba mouvement na ba association belé ba parlementaire de bo bazan na biso. En tout cas, donc Batunyo Soana et Zabato to Fanda qui n'a pas mon nanou avant tout bimis sa décision Oyo parce que nous étions tout un comité to Yokani na bango to analyser ba fait et to tali sur le plan sécurité que za mala mte pour na to tenir marche na biso ne to reporter yango donc et l'obité que non to sala ka sous marche te to sala yango kak ba bande kona biso ba ba batika ki biso na ngam kuna matati ki bala ba maman ya Winzewana mais matanga ngo apparemment parce que mukolo likambango sala maki to mona ki ba autorité mboka ba yaki ba tala ki mais apparemment bazo ki pe biso non bazali ko ki pe yango il y a un programme moni l'état sala ka makambu mususu na le yengete donc il y aura un programme qui sera très bien précisé, ouais, un peu, et à partir de Wanande Touroye, il y a une période où il y a un obsèque pour Banda, pour qu'il y ait enterré, Banda Konabiso, il y a un obsèque. L'État Bossani Bangote. Mais si Lutumba, est-ce qu'il y aura les élections en 2023? Il y en aura, madame, en 2023, les élections auront bel et bien lieu, parce que sur l'Andi Détermination, les présidents de la République, Félix Antoine Tseke, dans le bas qui va élection, il faut et Salama. Et au Tali de Nika Dima, le nouveau président Yasseni, a eu la conférence de presse
ouais, c'est faisant qui entouré na batué belé a ici na bango que selon programme na biso ba élection fait ça en décembre 2023 donc mutunyo sozo banga ba élection bonga mara déjà pour ba élection et salam. Et étant que un acteur politique de notre pays, pensez-vous que nani notre président Félix Tshisekedi il mérite à avoir deuxième chance pour la belle élection? Oui, madame, le président Félix Tshisekedi mérite bel et bien un deuxième mandat. Vous savez pourquoi? Parce que sur le 100%, il y a projet naïe, programme naïe d'une manière générale. Okay. Le programme quinquennal naïe, sur le 100%, il a atteint déjà 65%. Donc, lelo oyo, etikali naïe, presque 2 ans. Ce qui déjà dans 3 ans, il a atteint 65%. Ce qui veut dire au moins 21% par année. Cela veut dire que dans 2 ans au Etikali, il y a toujours la possibilité, n'est-ce pas? Il y a aussi de ça, je dirais, il y a aussi de ça, nini. On dit qu'il promet, s'il promet, apparemment il promet, mais il promet, mais difficile pour réaliser. Non, non, ne me dites pas que le chef de l'État promet et ne réalise pas. Non, il réalise, bien qu'il y a certaines promesses qui souffrent dans l'Italie, dans le ralentissement, il y a qu'à se faire comprendre, réaliser. Donc, dans l'accomplissement, ça traîne, ça tarde, mais ça finit toujours par être réalisé. C'est ça les bons côtés, il y a les présents Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont été locaux là-bas, tout le la cacabiso, le métro. Tout le monde a battu la biseau, ba affiche dans la banderole dans la métro, tout cas là jamais au monde. Par exemple, on a ba bloqué déjà sali. Non, le président fait ce qui est déjà bloqué. Belé, hein, maman. À la carte gratuite de l'enseignement, il y a moins des alliés. À la carte pour que ça salaire, il y a fonctionnaire. Et qui s'amit à la carte biseau stabilité sur le plan économique. Il y a moins le lot haut, tout ça en réserve d'échange. Il y a 4 milliards de dollars au Kabila, tiré la biseau moins de 1 milliard de dollars. Le lot Oyo, pour la première fois, le Congo a réalisé une performance. Il y a 4 milliards de dollars de recettes brutes. Sans aucun recette, nous recettes brutes Oyo, côté de la régie financière, 4 milliards de dollars. Et l'autre, il y a un peu de temps. Le lot Oyo, madame, vous serez d'accord avec moi qu'il y a eu des constructions des routes, des centres de santé, et tongama, des ponts, et tongama. Et le lot Oyo, tout ça, dans le centre culturel, il y a un peu de temps en Afrique, où Félix Tshisekedi est allé à Kotonga. Awa. Je crois que la mine était Oyo et aussi là. Même modernisation et un marché central. Et que ça a marché, moi, plutôt que bien que les alliés ou mina, parce que Gentiline Kabila sur ce point-là, il ne veut pas être sérieux. Donc, il y a le Trans Academia, bis Oyo, à mettre à disposition à bas étudiants. Il y a eu abolition, il y a bas syllabus dans bas université, le lot bas étudiants, il y a aussi bas wifi. Il y a eu aussi, mise. Je dirais, pour le bien, il y a population, bus au chef de l'État à Sombaki. Avion, n'en parlons même pas. Donc, dans mon temps, Mouké Oyo, le président Félix Tshisekedi dit Asale Moussala, Asale Libiso, Asombe Libiso, voire même dans le train. Oui, ça l'a raté. Il y a train, oui, comme il y a un train, 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 il y a un. Et au regard, il y a Biloko Yassi à réaliser, moi je vous dis qu'il part déjà favori avec 72%. Il y a qu'on gagne l'élection en 2023. Déjà 72% gagné l'élection en 2023. Parlons un peu de Nanga Mukuna Katanga, Batuya Katanga, Bazan Singa Bazana indépendant. Et qui pensez-vous de ça? Madame, Ezali Batuya Katanga te. Bakata Katanga nde bazo réclamé l'indépendance, pas le Katangé. Bakata Katanga baza banane. Bazali moi ba milice moko boye oyo bazali entretenu par Gédéon Kyungu. Et moi je me dis aujourd'hui, même si arrivé que Bakati Katanga ba pesi Gédéon Kyungu dirige, vous pensez qu'il va diriger? Il ne sera pas parce qu'il est d'abord incapable et consomme peine qui sano les 200 francs pour opinion sous qui naye. Incapable et consomme ba gilette, il y a 100 francs d'orco. Pour na ko raser mandefu naye et mutalo lengi wana. Ou azo tika ba chouke belé.
à l'époque le col Joseph Kabila. Bien que Joseph Kabila a bandé qu'au Sanolaye, a bandé qu'au Sananapé na mandef. Mais il y a Gédéon Kungu, à Sanolara Sugite, à Sanolara Mandefute, à Zalapé na coiffeur Teokate Esuk. Pandela? À Zalapé na coiffeur Teokate Esuk. Alors, ce que vous avez dit, c'est que vous avez pris responsabilité, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la Bible, ce sont des aventures. Il y a mauvais goût. Au peuple congolais, à Zalata Koteni, contre Nangote, le Congo restera un et indivisible. Okay. Selon l'esprit à la Constitution, nous avons plusieurs provinces. Cependant, toutes ces plusieurs provinces forment ce que nous appelons la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo sans Kinshasa ne sera pas République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo sans Katanga ne sera plus la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo sans Bandundu, sans Nord Kivu, sans Sud Kivu ne sera plus jamais appelé la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Quelques salutations et mot de la fin. Oui, mes salutations à tous ceux-là qui m'aiment beaucoup et surtout qui commentent mes émissions, souvent faites ici au Congo Live. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vous m'encouragez à chaque fois avec vos conseils. Mais j'aimerais aussi dire à ceux-là qui ont l'habitude peut-être d'insulter, parce que, en tout cas, depuis un certain temps, je ne me sens pas insulté. Okay. Alors, tellement que je ne me sens pas insulté, quelque part, ça me lèse un peu. Wow. Donc, j'aimerais qu'il y ait ne fût-ce que deux personnes par émission qui vont commencer à m'insulter pour me pousser encore à bosser dur. Vous voyez, à des fois, lorsqu'il y a des critiques, ça vous aide à mieux perfectionner ce que vous faites. Mais lorsqu'il n'y a pas de critiques, lorsqu'il n'y a pas de remarques, au bando ça la salo quand sera que nous sala malam er morobe tapé le banda plus 243 89 457 33 88 plus 243 989 703 à la fin soko bengingai na ba numéro wana okozwangai ko kansate roza fantomas François Beyaza déjà na boloko kuna na ane azo kemande François Beyaza na boloko au moni na doy sande ce qu'on appelle ça concerne ba combattant sous chez IDPS. OK. Et Beleba se faisait qui manipulait par certains conseillers. Oh, bah, conseiller, wana, il voulait manipuler les combattants de l'UDPS. Bah, se met division dans quatre parties. Pour la base, comment est-ce qu'ils peuvent prendre maintenant en otage le chef de l'État? Ce bah, bête, il bango est réussi. Pour la base, au Kabwana. Bah, ça va, chef de l'État, la bête, à bisou, kara, qui va bisou, t'es dans la partie. Bisou, t'es occupé, ma Kabwanate. T'as la biscarte, t'es comme Olelo. Et on a un cadre à partir au Télémé Laka François Béyana Makamu. Mais on a vu certains combattants, même dans les députés, dans le cadre de la parti, au Télémé Laka, dans le cadre de la hiérarchie du parti, pour le moment, on a vu que le Mabé Bongoté. On a vu que le Mabé Makamu est là. Et les combattants, Moussousou, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils solo. Au moins, ils ont dit qu'ils ont dit logique boy. Mais il y a certains combattants, on a dit qu'ils ont dit YouTube ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont Yo bandai kolobabe ponanin. Pourquoi bandai kolobabe? Mais nazo va parce que je suis un légaliste. Même en ce qui concerne les dossiers, il y a Jean-Marc Akabunde comme président AI du parti. Oyo ba radiaye. Nada pour insister jusqu'à ce jour, la radiation n'est pas statutaire. Azara colonine. Yé, azara 50% mouluba 50% katangi. C'est ça aussi, je dirais, l'aisance de la congolité. Donc, au moins, quand tu es congolais aujourd'hui, tu peux te marier à un Mouyaka, Oza Moulou Bobali Mouyaka, Oza Mouyaka Obali Mungala, Oza Mungala Obali Moussoukou, Oza Moussoukou Obali Moutandou, Oza Moutandou. Donc, ça forme, ça renforce d'ailleurs l'esprit Nabissou à unité. Vous comprenez? Oui, bien, vraiment, Naloba R, Moko, ah! Pour nana la qui s'en a battu, pédagogue, non, on a la tribalité. Et puis, on a offert la pena, et puis, on a bali quatre langues nationales. Bali, Mungala, Mouluba, Mouchoaïli, Moukongo. Ce que vous avez fait, un tribaliste, Nani. Donc, c'est juste une façon de faire ça. Ce que vous avez fait, papa Nayazali, peut-être Mouyaka, maman Nayazali, Mouluba, ne dit pas qu'il n'est pas congolais. Il est d'ailleurs vrai congolais parce que, quand il y a Azali qui appartient, Naba province Mibale, ça fait quand même la fierté. Ake a epa na bango, azongi a epa na bango. Voilà. Merci beaucoup, président. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Abonnez-vous massivement et n'hésitez pas de liker. Donc voilà, quant à moi, je vous fais des gros câlins, des gros bisous.
Bye. We'll be right back.